Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages. Écoute-moi, toi tu me dis que voilà tu trouves normal, mais moi, en tant que Maboara, on est vraiment des amis. Je sais, elle me parle tout le temps de toi. Elle m'a dit que vous êtes amis depuis la maternelle, c'est ça? Voilà. Oui, elle me parle tout le temps de toi, oui. Tout ce qu'elle tu sais, elle dit, t'aime bien, Maboara. Tout le temps, tout ce qu'on aussi, fait, Lina, elle t'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Mais tout ce qu'elle me parle et tout ce qu'elle fait, et donc je vois que après tu vas devenir un fou. Après. Comment ça? Le fait de travailler, le fait de l'aider, que je deviens fou? Non, pas du tout. Arrête c'est pas d'exagérer ça. Quand même, Lina. Non. Tu sais, quand tu manges, toi, dans ta tête, tu te dis que tu manges de repas, tu bois de l'eau, tu bois du poisson. Mais c'est de gris-gris que Maboara, elle te fait manger. Hein. Comment ça? Ben oui. J'ai jamais vu Maboara, je ne sais pas, faire quelque chose de louche. Non, ça je n'arrive pas à te croire. Dis-moi autre chose, mais pas ça, s'il te plaît. Moi, je te dis, c'est la vérité que je te dise. C'est la vérité. Maboara, un jour, elle m'a dit... Ma copine, moi, je vais aller voir un fondi. Je t'écoute. Pour que mon mari revienne à la maison. Après, mon mari fera tout ce que je lui demande. Et là, maintenant, ce que ma copine m'avait dit, c'est ça, ce que quand je viens chez vous, c'est ça ce que je vois. Mais Lina, en fait, je sais pas. Peut-être que toi, tu n'as pas bien compris. Maboara, c'est elle qui m'a dit ça. En fait, c'est notre... je sais pas comment t'expliquer ça, mais... Elle m'a dit que je reste avec toi à condition que tu fasses tout à la maison. Moi, j'ai dit oui. Elle t'a dit ça pour juste que voilà, après, tu te rentres pas compte, tu vois. Mais en tout cas, moi, tout ce que je te Donc, dis, c'est la vérité. Si moi, je suis ce que tu es en train de me dire là, que Maboara est partie chez un fondi et m'ensorceler, c'est ça? Voilà, tout à fait. Elle met des trucs... De gris-gris dans ton repas ou quand tu bois quelque chose. Elle met tout. Donc, tous les jours... Moi, je vais te dire quelque chose. Elle te fait... Moi, là, j'étais allé à Madagascar. Le but, c'est de me marier avec une belle femme, cheveux longs et tout, etc. Et arrivé là-bas, la famille m'a dit, on va aller voir des tumbas. Je suis allé voir là-bas pour que le mariage soit prospère. Tu sais ce qui s'est passé? Le mariage n'a même pas duré un mois. Et toi, tu veux me faire comprendre que Maboara est en train de faire... Moi, je comprends. Anlina, alors il n'y a pas de l'ambiance, maintenant, je te dis la vérité, tu ne veux pas me croire. Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages. Vas-y mon grand, donne de la joie à ton cœur. La vie ça passe ou ça casse. Elle écoute pas. Me voilà avec une grossesse de 6 mois déjà. Il n'y a pas question que je reste ici souffrir à Madagascar avec mon enfant. Non. Je vais aller retrouver Combo. Pour lui faire croire que je suis, que c'est son enfant, même si c'est faux. Oui, il faut que j'aille. Aussi ni sangero doudé, amani anguivo. Aussi ni sangero chérié. Amani yangu ivo, wamitaumbwa na wawe, wa
la tafungwa na wawe. Tibende usini songe, wanifanya dori la shenge.